suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un Steadicam Feutech GK 3 axes. C'est quoi ? Eh bien c'est un espèce de bras avec des moteurs qui vous permettra de garder votre caméra toujours dans l'axe. Un truc incroyable parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech en direct de Shenzhen en Chine. Alors c'est ça après générique. Et après pause. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un truc trop cool, le Feutech, le Steadicam, le GK3AX, vous avez vu c'est tout marqué ici. Alors en fait c'est quoi? Bah, c'est un espèce de support GoPro, une perche selfie haut de gamme, avec des petits moteurs que vous êtes en train de découvrir ici. On va attaquer tout de suite le contenu de la boîte, ça sera fait, hein, puis on va s'en débarrasser un petit peu. Alors un chargeur secteur USB qui permettra de recharger un petit peu l'appareil, ici. On a des petites vis que je vous expliquerai tout à l'heure, on a un câble USB, alors c'est de l'USB mini USB. Alors, quand vous êtes comme moi, vous allez dire, franchement, ils auraient pu mettre de la micro USB. Eh bien non, parce qu'en fait, à la base, ce produit-là, il est fait pour la GoPro. Et la GoPro, eh oui, si vous le savez, si vous en avez une, c'est de la mini USB, donc c'est normal. Ici, c'est un espèce de réducteur, en fait, pour pouvoir mettre sur votre PC, pour descendre un petit peu la tension, en fait, le voltage, parce qu'on est sur du 5 volts, alors que les batteries, c'est 3,6 volts. Ici, le chargeur USB pour pouvoir recharger. Donc là, vous mettez votre câble avec la... Hop là, la mini USB, là vous allez pouvoir recharger deux batteries à la fois parce que l'appareil fonctionne avec deux batteries. Deux batteries qui sont ici, en fait nous on a déjà mis, en fait il y a quatre batteries dans la boîte. Donc deux qui sont déjà dans l'appareil et deux petites batteries qui vous donnent ici. Donc c'est des batteries, vous voyez, marquées de 900 mAh en 3,7 V. Donc c'est plutôt pratique, ici on va mettre ça là, c'est bien. Alors les petites vis, vous avez demandé pourquoi c'est fait, en fait il existe deux jeux de vis pour fixer la GoPro. En fait qu'on voit ici, je vais vous la mettre un petit peu comme ça. Voilà, donc en fait la GoPro en fait se fixe ici, donc il existe deux longueurs. Une longueur si vous voulez mettre à l'arrière, soit un écran LCD, soit par exemple une batterie externe, comme nous on a, juste posé à côté là-bas, une batterie externe, ou un écran LCD, donc là si vous n'avez pas besoin, vous mettez des vis un petit peu plus courtes, voilà, simplement. Alors le produit, comment il se présente? Alors il se présente comme un bras télescopique, sur lequel ici on retrouvera alors un pas de vis, ce qui permettra en fait de rajouter en fait des tubes, pour mettre, vous voyez, si vous voulez mettre beaucoup plus haut au niveau de la perche. On a vu des modèles, nous, au salon, où la perche était vachement haute. Et là, vous pouvez en mettre, vous avez vu, hop, vous les mettez en série. Et vous allez pouvoir avoir pas mal de longueur. Ici, on retrouve les deux batteries, donc on les met dedans. Hop, comme ça, là, on referme. Là, c'est plutôt une bonne idée. Hein. Pareil, si vous voulez fixer le support, alors, je sais pas, sur une voiture ou si vous êtes caméraman professionnel, ça peut être relativement intéressant d'avoir, trouver un pas de vis comme ça ici, de le mettre dessus, tac, et comme ça, le support restera toujours plat, comme ça. Ici on retrouvera alors un connecteur, donc c'est le connecteur mini USB qu'on a vu tout à l'heure, qui permettra de recharger directement soit via le câble, comme ça vous pourrez soit recharger les batteries, soit recharger directement avec votre câble de GoPro, directement la caméra en elle-même, tac, en la branchant sur la prise USB de votre ordinateur ou un chargeur de cigare de voiture, ce que vous voudrez. Alors j'essaie de remettre le petit bout de plastique, mais vous avouerez quand même avec moi, c'est pas super facile. Donc on a bien passé le QC. Ici, on se trouve un bouton en fait qui permettra d'allumer, d'éteindre le Steadicam si vous en avez besoin. Là, on retrouvera, alors après, la caméra est sur plusieurs axes ici. Donc il y a un axe, un moteur ici. On a un deuxième moteur ici et un deuxième moteur là qui permettra de tourner la caméra. Donc on est bien sur une caméra qui a trois axes. On va allumer la caméra, donc via le bouton qui est dessous, hein, ne le cherchez pas, il est bien caché. Il faut attendre 2,5 secondes, le temps qu'on se mette la caméra, et voilà. Donc là, notre Steadicam est en route. La batterie fonctionne. Donc l'idée du dossier, c'est qu'en fait, la caméra reste toujours dans son axe. Grâce au moteur, en fait, il y a un accéléromètre et un gyroscope dedans. Ça veut dire que si vous l'utilisez à la main et que vous mettez comme ça, en fait, la caméra restera plate. Voilà, comme ça. Elle restera toujours dans son axe. Vous voyez, si vous voulez être... Et après, hop, vous voulez monter. Après, on essaiera de faire des petits essais. Mais si vous voulez faire, par exemple, un plan comme ça, ici, et vous voulez monter, eh bien, la caméra reste sur son axe, ici. Alors, du coup, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre, vous voyez, sur un pas de vis, sur un support comme ça, et vous êtes sûr que, quoi qu'il se passe, vous voyez, la caméra reste toujours dans son axe. Donc après, sur un casque, ça fait un peu bizarre, mais il existe des petits, par exemple, sur les drones. Feutech a des petits, en fait, qui mettent ça sur un drone, ici, le support, dans lequel il y a la batterie. Ça veut dire qu'en fait, sur le drone, quoi qu'il se passe, vous voyez, la caméra reste toujours. On met comme ça. Alors après, il y a les butées, hein, vous voyez, quand on met ici. Alors là, on aura peut-être plus de champ, ici. Voilà, si je veux tourner ma main, vous voyez. Ah, vous voyez, je suis un vrai motard. Ouais, trop bien. Alors voilà, on peut mettre comme ça, et là, il y aura vraiment pas de problème. La caméra reste toujours dans son axe, et ça, c'est juste super cool. Et on se met comme ça. On la tourne.
Ok, donc voilà, voilà un petit peu pour l'utilisation de l'appareil. Alors après, forcément, vous allez me dire, mais je voudrais bien voir ce que ça donne en vrai. Alors on va essayer, on va aller sur le toit et on va faire plusieurs vidéos. Une vidéo où on va essayer avec la caméra et une vidéo où on va essayer avec le Steadicam pour voir un petit peu la différence. Et puis une fois qu'on aura fait ça, ça nous permettra d'attaquer, comme toujours, le bilan. Donc afin de pouvoir juger en fait des possibilités qu'on peut faire avec la Steadicam, je vous propose un petit parcours, donc on est sur le toit de l'immeuble. Je vous propose de monter ici, on va monter les escaliers, on va les redescendre pour filmer. Ensuite on passera dessous là, ici, et après on ira jusqu'à là-bas, faire un petit saut là et aller là-bas, et puis après on reviendra. Ça permettra de faire des petites vidéos sympathiques, hein, de voir un petit peu ce que ça peut donner. En fait là je vais vous le faire à la main pour que vous puissiez filmer, genre un peu je suis caméraman professionnel mais manuel. Et après on essaiera de voir avec le Steadicam pour essayer de voir un petit peu la différence. Vous me suivez? Allez c'est parti. On se met là, ici, j'ai le plan. Alors on monte les escaliers. Ça va pas bouger, voilà. Après en même temps, bon la caméra a quand même juste un stabilisateur. Ici on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ouais, on pourra aller sur le toit aussi. On redescend. Là c'est pas facile. Il faut tenir un peu droit. Ici, on revient. On est dessous, hop, on baisse un petit peu la tête, ouais. On prend là, l'escalier, hop, ça va, hop, 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 on descend, hop, on descend, hop, on descend, hop, et voilà, on a gagné. Ouh. C'est pas facile, il est presque un peu essoufflé. Bon, allez, on va essayer de le refaire maintenant dans l'autre sens avec le Steadicam. Voilà, à présent avec le Steadicam, et ce qu'on peut voir tout de suite avec le Steadicam, c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique. On a quand même, on tient un bout de bras comme ça, on peut bouger. Vous voyez, on va descendre un petit peu comme ça, donc c'est plutôt pratique. Alors on va continuer comme toujours, voilà, donc avec un angle plutôt, du coup c'est plutôt fluide. Alors on monte comme ça, on prend les escaliers. Ici, on revient. On a vu qu'il y a des choses sympas là-bas. Voilà, bon, il y a toujours rien. On continue, on redescend. Hop là, on descend un petit peu, ici, on vient dessous, ouais, on suit. Alors c'est vrai qu'on le sent qu'il y a une fluidité, hop, on saute, voilà, on vient ici, on prend dessous, là je t'ai monté, je redescends, hop, on redescend, ici, voilà, nous y voilà. Donc après, le gros intérêt, c'est par exemple si je pose la caméra ici, et que je la tourne légèrement, voyez, sur la droite, voilà, elle suit automatiquement le mouvement et en théorie elle devrait rester sur le même axe, ce qui peut être plutôt intéressant. On peut vérifier un peu ici, on voit bien le mur, voilà, c'est juste génial. Je vous fais un peu le retour. Ben voilà, hein, enfin c'est pas vraiment compliqué cette histoire. Il suffit juste de balader un petit peu comme ça, on va tourner. Voilà, donc la caméra me suit. Ouh, je failli tomber. Comme quoi, la caméra ne suffit pas. Voilà, ça permet d'avoir un plan qui est à mon avis qui est juste incroyable. Une caméra, vous voyez, je me mets un petit peu en avant comme ça. Hein. Ouais, voilà. Oh bon, ça c'est tout de suite beaucoup plus pratique. Et on a vraiment la sensation d'avoir une espèce de fluidité qu'on ne pourrait pas avoir en tenant à la main. Même si, je pense, on va essayer en marchant comme ça, essayer de bouger un peu comme ça. Alors, je vais me mettre plutôt en marche avant, parce que marche arrière c'est peut-être un petit peu risqué. En tenant la caméra comme ça, en fait, on a vraiment la sensation en fait, que rien ne fera qu'on sortira de l'axe, même avec une GoPro, ce qui n'est pas toujours facile. Ici, on va prendre là, et on va reprendre les escaliers avec la caméra. Voilà. Hein, sympathique, non? Ouais, moi je trouve que c'est sympathique. Allez, je vous laisse admirer un petit peu la vue. Voilà, c'est pas mal. Allez, on se retrouve maintenant juste en bas.
Bon, alors, voilà, vous aurez bien vu que c'est juste génial, hein. Après, bon, la vidéo jugera un petit peu du rendu de l'affaire. Qu'est-ce que moi j'ai bien aimé sur l'appareil que j'ai bien aimé moi-même? Alors, le Steadicam, c'est rigolo, avec trois moteurs, vous voyez. C'est pas grand-chose, hein, on a l'impression que c'est tout simple, tout con, mais vraiment, ces petits moteurs, en fait, ont besoin d'un peu plus d'attention que l'autre. Vous voyez, si on reste appuyé ici, en théorie, on devrait pouvoir l'éteindre. Je sais pas comment j'ai fait, voilà. Alors, il s'en met dans l'axe. J'ai vu qu'il y avait des boutons. Bon, je ne les ai pas appris par cœur. Alors, la caméra reste toujours dans l'axe. Ça, c'est génial. Il y a deux batteries rechargeables. Alors, ça, c'est bien. Vous allez avoir deux jeux de batterie. Ah, voilà, ça. Voilà, il faut rester appuyé sur le bouton. Et la caméra s'éteint toute seule. Voilà, elle est décédée, fatiguée. Donc, on a deux jeux de deux batteries. Ça, c'est plutôt pas mal. L'autonomie, en fait, est donnée pour une heure. Voilà, avec deux batteries, à savoir que vous avez deux fois deux batteries, ça vous permettra d'avoir deux heures d'autonomie. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas beaucoup, ouais mais c'est bien plus que la GoPro elle-même. Alors je sais pas la nouvelle, mais moi celle-là, je veux dire deux heures en Full HD, je suis peinard, hein, j'ai de quoi tenir, c'est plutôt bien. On aurait bien aimé les vis comme ça, que permettent de mettre, par exemple nous, moi j'aime beaucoup avec mon LCD, et je vous fais voir un petit peu ici, il est où le bouton, il est là. Voilà. Donc on voit quand même bien le LCD, je vous fais voir un petit peu ici. On voit bien ce qui se passe, comme ça. Cool, hein. Ah, je sais, c'est cool, mais je sais que c'est cool. Et après, vous pouvez hop, la bouger un petit peu, si elle n'est pas dans l'axe, parce que là, on l'a tourné un petit peu. Ouais, c'est cool, c'est Terminator, je vous jure, ici. Allez, on la met comme ça, c'est pas mal. Alors, les 4 vis pour les deux courtes de longues, c'est-à-dire si vous voulez que la GoPro, vous pouvez mettre ça. Si vous voulez aussi la GoPro, avec son support, vous pouvez le faire. On aura bien aimé la recharge par mini USB, mine de rien, c'est quand même plutôt pratique. Ça permet de recharger assez facilement. Et enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce produit-là, vous pouvez le trouver soit sur le site. Hein, ça sent un petit peu le manque de batterie, là. Elle commence à être un peu fatiguée. C'est vrai qu'on ne l'a pas chargé, on l'a mis un petit peu comme ça. Vous voyez, elle est un peu lente. Alors, on aura bien aimé. Bien aimé, oui et non. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce produit-là, vous pouvez le trouver soit sur le site de Fuitech, soit dans la Geek Shop pour la maudite somme de 315€ ou 350$ en fonction du taux du jour. Les points négatifs pour nous de la caméra. Elle est quand même, c'est un petit peu encombrant ce bras, hein, je veux dire, le mettre, si vous voulez le trimballer toujours avec vous, il faudra pas oublier, parce que il est assez conséquent, et enfin, encore et encore des batteries, il faudra bien penser à chaque fois à avoir des batteries qui sont chargées, parce que si vous n'avez plus de batterie, dans ce cas, le Fuitech perd un petit peu tout son intérêt. Alors, à savoir qu'il existe deux autres modèles, il existe un modèle pour GoPro avec un crochet, comme ça, qu'on vous présente pas, parce qu'en fait, il est juste différent avec un crochet qui permet d'enlever et de mettre la caméra plus facilement, mais il paraît que ça tient un peu moins bien. Là, au moins, on a les vis, à partir du moment où elles sont bien serrées ici. Voilà, vous êtes peinard, vous êtes sûr de ne pas perdre votre GoPro, ce qui serait un petit peu dommage, avouez quand même. Et enfin, il existe un modèle pour smartphone avec un truc beaucoup plus grand. Vous pouvez mettre directement, glisser votre smartphone dedans. Ça permet de faire des produits un petit peu sympas. Et enfin d'attaquer, comme toujours, le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Le bilan, c'est juste génial. Je suis désolé, mais c'est trop cool. J'en avais déjà acheté un, l'ancien modèle. Mais c'est vrai que l'ancien modèle, il y avait une espèce de câble. Et moi, par exemple, vous voyez, j'ai arraché un câble. Donc c'était un peu la catastrophe. Là, c'est tout intégré. C'est joli. Vous voyez, je fais voir un petit peu comme ça et tout. Qu'est-ce que je vous dis? C'est énorme. C'est énorme. Avec les moteurs et tout, on est vraiment dans le futur là. Après, c'est un peu cher. Pas se cacher, c'est que 320€, c'est quand même le gadget qui est juste un peu cher. Comme ça, voilà. Bon, c'est un peu cher. Voilà, 320€, c'est pas toutes les bourses. Si vous en avez besoin, vous avez trouvé ça génial. Ça va faire des vidéos de psychopathe. Après, si c'est juste un gadget pour vous, pour faire du skateboard, ça fait un budget quand même qui est assez conséquent pour un appareil qui est pas totalement indispensable, mais qui fait super bien le boulot. Donc pour moi, ce serait un bilan. Hormis le prix, on va dire, c'est quand même un bilan qui est super positif parce que le truc, il est quand même juste génial. J'en avais déjà un, je peux vous dire, c'est juste génial. Après, voilà, l'autonomie fera que c'est compliqué, les batteries et le prix, encore une fois. C'est ça, et puis bon, faut l'enlever, machin, déclipser avec les vis. C'est pas des plus pratiques, mais pour moi, c'est vraiment un bilan qui est positif parce que c'est vous qui laissez une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant qu'est-ce que vous pensez de ce Fuitech Steadicam, le G4 4 axes, à savoir que pour le modèle smartphone, ça sera exactement la même chose. Ouais, tu le sais. Voilà, vous laissez une note en commentaire avec vos plus et vos moins, et vous pouvez nous soutenir et vous encourager que 3R, le R de cher en passant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le commentaire en laissant un commentaire à cette vidéo et le pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas ici, comme ça tu recevras une news et un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ça c'est trop cool parce que quand on fait des trucs machin comme ça, c'est trop génial. Voilà. On remercie Fuitech de nous l'avoir envoyé ce produit-là parce que c'est quand même un produit super génial que j'étais quand même plutôt content de recevoir moi-même et avec lequel je vais pouvoir vous faire des vidéos un jour si j'oublie pas.
assez sympathique. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep. Un petit pep prospérité. Allez, sans tourner la main. Bye bye.